Nouvelle semaine qui dit nouveau vlog. On est samedi 12 et il est midi moins 10, plus précisément, exactement, et je suis dans ma cuisine. Alors, c'est un peu le bordel, hein, j'ai un petit peu rangé, mais c'est le bordel parce que là, je suis en train de faire un picoulat, donc c'est d'origine catalane, voilà. Donc là, les filles, elles ont fait la viande, donc j'ai tout simplement, je les ai fait cuire en fait. Et donc, heureusement que j'ai mon coquéo, je vous le dis, parce que sincèrement, j'aurais pas le coquéo si j'aurais dû le faire là-dedans. Donc, la cocotte en fonte, c'était pas cuit. Hein. Voilà, on aurait mangé à 2h, même 2h30 de l'après-midi. Mais avec le coquéo, je pense qu'à 12h30, on va manger. Voilà, donc là, je suis simplement en train de faire revenir les pommes de terre, oignons, olives, champignons. Et ensuite, je vais rajouter mon concentré de tomates, ma farine, de l'eau. Je vais mettre les épices. Et donc, on rajoute les petites boules que nous avons fait avec de la viande hachée. Celle, j'ai mis des herbes de Provence avec un œuf, que le jaune qu'on a remué. Et les filles l'ont fait ce matin. On est lundi 14, il est 8h41. Je suis en véhicule parce que le mari a pris sa journée aujourd'hui. Enfin, l'électricien vient. On espère qu'il ne va pas nous faire de faux bon. Il vient à 9h. Alors, du coup, on a tellement attendu qu'on ne veut même pas le devis. Apparemment, il vient ce matin et il fait les travaux. Ouais, c'est direct parce que là, ça fait des mois qu'on attend qu'il passe pour faire certains trucs, alors que le mari, c'est lui qui l'a fait, voilà, en regardant des vidéos sur internet, tout ce qui est mettre des prises, mettre le tableau, voilà. Après le branchement, c'est l'électricien qui va le faire, en espérant que le mari a bien fait. Donc c'est pour ça que je vous prends ici pour commencer le vlog, parce qu'après il va y avoir du bruit et je ne vais pas vlogger, en fait je vais faire du montage ce matin. Comme ça, cet après-midi, je vais pouvoir tourner ma vidéo avec en priorité donc la collection de Décodens Enchantés de chez Shiglam. Voilà, je vais faire le make-up cet après-midi. Donc à 4h, je vais être maquillée Papa Noël. Voilà, bon, je m'en fous. Hein. Après, les gens me regardent comme ils veulent. J'en ai rien à péter. Samedi, je vais à Action. Voilà. Parce que je vais refaire toute ma décoration. Ça fait des années que je dis que je veux changer les décorations parce qu'elles sont vieilles, que ça soit les boules sous le sapin. Et en fait, j'ai envie de faire quelque chose d'uni, je crois qu'on dit. Je vais mettre des boules blanches avec des boules soit dorées ou argentées avec du rose, mais les filles, elles ont choisi doré. Et je vais refaire toute ma décoration d'en haut de ma cuisine. Voilà, donc il faut que je nettoie ça cette semaine, je vais me régaler. J'ai commencé à jeter des décorations qui étaient très vieilles, oui, parce que moi, la décoration de Noël, elle reste toute l'année. La flemme d'enlever. Bon, j'ai commencé à faire ma table décorative déjà. Mais voilà. Et je vais aller à Action, parce qu'Action, c'est beaucoup moins cher, quoi. Parce que Jiffy, chez nous, c'est beaucoup trop cher. Et là, je dépose Maëlia à l'école. Allez, ma chérie, à tout à l'heure. Tu manges pas à la cantine, hein? Allez, à tout à l'heure. Allez, go. Elle s'en va à l'école. Allez, c'est parti. Allez, chaud. Elle n'est pas motivée pour aller à l'école. C'est... L'école, apprendre, ça oui. Et je suis étonnée parce que elle... J'aurais cru qu'elle aurait beaucoup plus de difficultés au vu de ce que m'avait dit la maîtresse en grande section. Mais non, pas du tout. Par contre, c'est les enfants. Là, elle est embêtée avec un petit garçon. Apparemment, à la cantine. Alors, donc hier soir, c'était le gros stress. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle n'arrêtait pas de me dire « Maman, je ne veux pas aller à l'école demain. J'ai peur que le petit garçon m'embête. » Donc aujourd'hui elle ne mange pas à la cantine, donc je vais voir comment ça se passe cette semaine à la cantine si le petit garçon il est en CE1 parce qu'elle est dans une classe où c'est CP
en majorité, mais il y a quelques élèves du CE1 parce que voilà, il y a trop d'enfants, donc du coup il y a CP et CE1. CE1, je crois qu'il y a 5 ou 6 élèves, quoi. Et il y a un garçon, et c'est vrai qu'il est grand. Hein. Pourtant, Maëlia est grande, mais lui, il est un peu plus grand qu'elle. Et apparemment, il s'est moqué d'elle à la cantine. Voilà. Parce que Maëlia, elle avait faim, et donc elle a ouvert grand la bouche. Et donc, il s'est moqué d'elle. Voilà. Donc, bon. J'ai dit à Maëlia, il a fait qu'une fois. Elle m'a dit, oui, maman, il a fait qu'une fois. Bon, j'ai dit, on va voir. Voilà. Après, on va bien voir comment ça se passe cette semaine, étant donné que cette semaine, elle mange de mardi à vendredi, puisque cette semaine, j'ai quand même une semaine chargée. Voilà. Il va falloir aussi que j'attende mon planning du mois de décembre, parce qu'il faut que je fasse ma mammographie absolument, puisque je le revois début janvier. Bien, il me gonfle. Je sais pas. Pourtant, il est bien fixé, le truc. Il faut que je prenne un rendez-vous là pour la mammo. Parce qu'il faut que je la fasse absolument avant le 4 janvier, je crois. Parce que je revois le gynécologue pour vérifier le stérilet. Il voulait absolument que je fasse une mammo. Sinon, aujourd'hui, au programme, ça. Et bon, mon oreille va mieux. Hein. Je me suis pris une otite, mais alors bien carabinée. Par contre, j'ai l'oreille qui me gratte encore. Alors, je me demande si mon eczéma à l'oreille s'est pas intensifié, je sais pas. Je vais voir comment ça se passe là, parce que normalement j'ai le traitement jusqu'à demain. Elle m'a bien dit de faire le traitement de 7 jours à l'oreille pendant 7 jours. Et après de mettre donc la crème dans l'oreille. La crème, c'est de la cortisone, quoi. Bon, je verrai bien. Si je vois que cette semaine, en mettant la crème cortisone, ça me gratte toujours autant, je prendrai rendez-vous avec mon médecin. Voilà. Pour voir tout ça. Voilà. Bon, écoutez. Je vous montrerai les installations après, ou demain, plutôt demain je vous montrerai ça, parce que ça rien dit, je vais me maquiller. Voilà, donc là j'ai laissé les cheveux détachés un petit peu. Ils ont bien poussé hein, les cheveux, franchement. Alors là je vous ai fait, donc vous l'aurez vu, je vous ai fait la vidéo Story Times. Voilà. Et il va y avoir la vidéo au mois de novembre, donc les produits que j'ai mis sur mes cheveux. Et au mois de décembre, j'ai programmé un petit peu mes vidéos. Donc il va y avoir donc le swap de Noël. Donc tout ça, je vous l'expliquerai dans un vlog, puisque j'ai vu avec la personne. Et elle préfère faire l'annonce dans un vlog. Parce que finalement, elle a raison, faire une annonce individuelle, ça n'a pas marché au niveau des vues. Donc ça, on va l'annoncer dans un vlog. Après, j'ai programmé, donc je crois, des vlogs le jeudi et le dimanche. Vlogmas. Donc hier, j'ai fait certaines intros. Alors, je ne sais pas du tout si je vais mettre l'intro vlog que j'ai fait ou si je garde celle de l'année dernière. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait l'outro de fin. J'ai fait les nouveaux logos. Je vais voir, voilà, en tout cas voilà. Donc normalement l'intro de Noël, vous la verrez je crois mi-novembre, voilà, mi-novembre, entre le 15 ou le 20, vous verrez déjà l'intro de Noël pour les vidéos normales. Après pour les vlogmas, non, ça commencera au mois de décembre, voilà, avec les logos sur la miniature. Voilà, allez go, je vous ai tout dit. Ce matin je vais faire un peu de ménage. Pas trop, parce que bon, si l'électricien il vient, on foutre partout, c'est pas la peine. Je pense que je vais faire du montage ce matin. Ouais, parce que je peux pas filmer ma vidéo ce matin. Parce qu'il va y avoir du bruit. Je vais bricoler. On est mardi, 15 ans, et il est exactement 7h30, je travaille toute la semaine de mardi à vendredi. Mon oreille, j'ai plus mal, par contre j'ai mon oreille qui est bouchée, qui se débouche, qui revient. Donc je vais voir si d'ici mercredi elle se débouche pas totalement. Il va falloir que j'appelle le médecin, on adore. Donc là je suis en train de me nettoyer le visage et je vais vous parler d'un coffret que j'ai reçu, qu'on voit beaucoup tourner en ce moment dans les publicités sur Instagram. Voilà. Je me nettoie les yeux parce que ça me gêne. Voilà, tous les matins, je me lave les yeux avec du sérum
parce que je mets des gouttes le soir. Maintenant, je mets que les gouttes le soir pour mon glaucome. Voilà. Donc le matin, j'ai les yeux qui sont un peu collés. Et moi, je mets du sérum. Du sérum Phi parce que voilà quoi. L'eau elle est tellement calcaire que des fois même l'eau ça me fait mal aux yeux. Voilà. Donc du coup après je mettrai d'autres soins. Donc je vais vous parler du coffret donc Rose Gold Paris. On le voit souvent tourner. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir en attendant que ça fasse le focus. Voilà. Donc j'ai reçu ce coffret grâce à la plateforme. Maintenant c'est plus Ivancy. Ça s'appelle exactement la plateforme Skipper IM. Alors je ne sais pas si je le dis bien ou pas. Donc ça marche un petit peu comme les plateformes Octoly. Vous avez des produits, vous envoyez votre candidature et soit vous êtes accepté ou pas. Voilà. Et donc après vous avez tant de jours pour parler du produit. Donc moi j'ai reçu cet énorme coffret. Voilà. Où à l'intérieur, donc vous avez plein de petits sérums. Je vais vous les montrer. Et je vais en utiliser quelques-uns là ce matin. Donc les sérums se présentent comme ceci. Voilà. Hop. Alors on est tôt le matin, hein, donc j'ai pas allumé mes lumières. Donc il y a un sérum pour les cheveux, il y a un sérum pour les cils, un sérum pour les sourcils, il y a un sérum pour les lèvres, pour les ongles, un sérum pour le contour des yeux. Voilà. Ce sont des produits qui sont naturels, sont des produits, alors je vais vous dire, parce que j'ai vu que les compositions étaient nickel chrome, alors ce sont des sérums qui ont un certain tarif quand même, hein. Sont des produits qui sont cruelty free, qui sont notés 100% sur Yuka, ils sont fabriqués en France, et sont assemblés en ESAT, travailleurs handicapés, voilà. Donc ce sont des sérums, donc c'est les petites nouveautés, donc qui aide à sublimer votre beauté de manière naturelle. Produit fabriqué en France qui a pour objectif de développer au mieux vos propres atouts et de résoudre réellement vos problèmes sans se contenter de les camoufler. Voilà, donc je vais là mettre le sérum pour les sourcils si je les trouve, parce que c'est écrit sérum pour les lèvres. Alors, le sérum pour les cheveux, voilà, là, il y a pour les yeux, il y a pour les sourcils. Voilà, je vais mettre ça et je vais mettre le petit gloss ce matin. Donc, sérum pour les ongles, ça, on va le mettre là, au fond. Et le sérum pour les lèvres, je crois qu'il est là. Voilà, on va mettre trois sérums ce matin. Donc, le petit coffret, voilà, il est présenté comme ceci. C'est un traitement, je crois, de un mois. Voilà, donc bon, je vais faire comme d'habitude, je vais mettre mon sérum et tout. Hop, viteuf, donc toujours le Garnier. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Et après, je testerai celui-là de chez CN. Du coup, j'en ai d'autres. J'ai Ordinary, je crois aussi. J'ai encore l'oreille bouchée, ça me saoule, ça se débouche. Bon, je fais mes soins et on revient pour les sérums. Allez, on commence par le sérum des sourcils. Donc, il se présente comme ceci. Il est rose. Voilà, packaging où il y a écrit sérum des sourcils. C'est pour les sourcils, ça? Non, c'est pour les lèvres, non? Alors, sérum pour les sourcils. Ah ouais. Le petit truc, on dirait pour les lèvres, ma foi. Écoutez, hop, on va me mettre sur les sourcils. Donc, je vais vous dire ce que il est marqué comme bienfait. Voilà. Et ça, bah écoutez, on va le tester pendant durant un mois et je vous donnerai mon avis au bout d'un mois. Hein. Voilà. Pour les sourcils, ils nous disent que. Alors, pour les lèvres, pour sourcils, le sérum, il est composé d'ingrédients naturels permettant d'avoir des sourcils plus fournis sans utiliser de maquillage ni de tatouage semi-permanent. Alors, l'acide ricinoléique et l'acide pantonique donneront un coup de fouet à la pousse de vos sourcils ainsi qu'à l'hydratation pour vous garantir une croissance soutenue.
Ensuite, le sérum pour les yeux. Donc, je vais l'appliquer aussi. Là, je lis. Hein. Donc, c'est un espèce de petit roulon. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Et là, on nous dit que donc ça permet. Vous n'allez plus pouvoir vous passer de ce fraîcheur et de son effet tenseur. Illuminez votre regard grâce au Rose Lift, l'eau florale de camomille, la caféine, l'acide hyaluronique et enfin le collagène, 4 ingrédients aux vertus décongestionnant et tonifiant. Voilà, donc ben ça il suffit de le placer sous les yeux, voilà. Et ça on le fera de façon quotidienne durant un mois. Voilà, appliquez le sérum le matin et le soir autour des yeux, massez délicatement avec le roulon et après hop de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Mais franchement il est rentré super vite le sérum. Donc pour les résultats optimaux, optez pour la cure pendant 3 mois. Là je pense que c'est une cure de 1 mois. Ah, pour les sourcils, qu'est-ce qu'il disait pour les sourcils? Assurez-vous d'être entièrement démaquillé, appliquez une couche fine sur vos sourcils, appliquez le sérum rose brown tous les soirs avant d'aller dormir. Ok, c'est pas le matin. Bon, c'est le soir. Voilà, laissez agir le produit. Et c'est un traitement de 3 mois. Et ensuite, pour les lèvres. Alors après, il y a un traitement pour les cils aussi. Mais là, on va faire juste ça. Pour les lèvres, je l'ai vu. Alors, pour les cheveux. Ça, c'est un petit peu bizarre. Je vous montrerai le contenant parce que j'ai regardé. Pour les lèvres, voilà. Sérum. Donc, le sérum, il s'appelle Rose Lips. Voilà, il est blanc comme ceci. Et donc, du coup... Il n'y a pas d'odeur. Voilà, donc ça, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent que c'est pour des lèvres volumineuses, plus sexy et mieux hydratées, vous permettent de retrouver le plaisir de vous mettre du coup du rouge à lèvres. Obtenez vos lèvres glamour comme vous n'avez jamais rêvé. Veillez à ne pas avoir de rouge à lèvres. Si tel est le cas, retirez-le. Appliquez le soin repulpant sur vos lèvres et bien faire pénétrer. Appliquez sur la bouche, sur la bordure des lèvres pour bien redessiner. Dès la première minute, vous sentez vos lèvres repulpées immédiatement. Écoutez, on va voir. Hein. Et a écrit au bord des lèvres. Voilà. J'espère que ça pique pas. On va laisser agir. Voilà. Il n'y a pas d'odeur. C'est des produits vraiment sans odeur. Voilà. Les 3 produits que je vais appliquer, moi, je vais les mettre sur le côté dans ma routine quotidienne. Et ensuite, donc, il reste... Donc, le sérum pour les ongles. Alors, celui-ci, il y a un petit problème. Voilà, le pinceau est comme ça. Oui, parce que je les ai ouverts. Donc, j'ai contacté la marque. Mais voilà, ils m'ont pas répondu. Je suis sincère avec vous. Hein. Voilà, donc ça, c'est un produit que je ne vais pas utiliser. Et au vu du tarif, je marquerai le tarif en bas. Voilà. Ça, c'est le sérum pour les cils que j'appliquerai aussi. Mais je le ferai le soir parce que je pense que c'est un produit qu'il faut mettre le soir. Et après, on a un petit sérum comme ça pour les cheveux. Qui se présente comme ceci. Voilà, alors ça c'est vraiment bizarre. Et c'est une pipette. Ouais, ça commence à piquer là. Ah, ça commence à bien picoter. Pour les cheveux, grâce à ces actifs et vitamines puissantes, vos cheveux seront longs, brillants et en bonne santé. Trèfle rouge et de la biotine agiront et de pair pour ralentir la chute et accélérer la croissance et la brillance de vos cheveux. Appliquez le sérum à la racine avec à chaque shampoing. Appliquez 2 à 3 pressions pour utiliser sur les zones souhaitées. Massez quelques secondes pour faire pénétrer et répandre le produit. Alors, ça me paraît petit quand même. Voilà. À la racine, il faut le mettre. Écoutez, je testerai ça aussi. Voilà, donc du coup, hop, ça, c'est les produits que je vais utiliser quotidiennement. Le sérum, je vais le mettre dans la salle de bain. Je le testerai aussi, je vous dirai quoi. Et le sérum pour les ongles, franchement, voilà, le pinceau, il est mort. Ça, je vais pas le garder, je vais le jeter. Voilà, au moins, je vous aurai parlé des produits Rose Gold. J'aime beaucoup le packaging, voilà. Le packaging est comme ceci.
Voilà, et puis écoutez, on le testera tout au long de ma routine. Vous verrez ça tout au long de mon vlog. Voilà, je voulais vous montrer ça ce matin. Après, je pense que je vous reviendrai peut-être pas ce soir. Je ne sais pas du tout, peut-être demain. Je vous montrerai parce que j'ai reçu ma commande de chez Shein. Donc, je vous montrerai ce que j'ai commandé et je vais faire la vidéo demain. Voilà, demain, je fais la vidéo parce que normalement, j'aurais dû la faire hier. Mais ça y est, l'électricien est enfin venu. Voilà, ça y est, nous avons nos panneaux solaires qui sont allumés. Alors, on n'a pas énormément de panneaux solaires, hein. C'est pas ce que ça va nous rapporter. Ça va réduire un petit peu la facture, il en faudrait beaucoup plus, bien évidemment. Mais déjà, je pense que ça va... On verra, je vous dirai quoi, qu'est-ce qu'on en pense et tout. Il est venu hier, il les a branchés. Bon, le mari avait tout fait, il avait tiré les fils, il avait tout mis dans le cellier. Ça, je vous montrerai ça si je peux cet après-midi pendant la sieste du petit parce que je travaille. Et il n'a pas eu grand boulot à faire, il a juste mis quelques prises, donc deux interrupteurs. Il a juste raccordé lui parce que c'est un électricien. Mais mon mari avait tout fait, quoi. Voilà, il est resté, je crois, il est arrivé à 9h, hein, il est parti, c'était midi, quoi. Et encore, c'est parce qu'il a beaucoup papoté, il a bu le café et tout, parce que franchement, je pense qu'en 1h30, 2h, c'était bâclé, quoi. En 1h30, c'était bâclé, quoi. Voilà, donc ça y est, c'est branché. Malheureusement, ils annoncent de la pluie toute la semaine, il n'y a que demain qui fait soleil, donc on va voir un petit peu comment ça marche. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse parce qu'il faut que je réveille Maëlia. Parce que Maëlia mange à la cantine toute la journée. Voilà, ça, je vous ai parlé de ça, donc il faudra que je publie ça. Voilà, je vais faire la petite photo. Et puis, écoutez, je vous dis à plus tard. Bon, il est 8h50. Et du coup, je suis partie plutôt à l'école parce que ce matin, Maëlia, en panique au total. Voilà, donc le petit garçon, apparemment, il a l'a embêté. Voilà, donc la maîtresse est très étonnée. Je suis allée voir la maîtresse ce matin hein, parce que je lui dis que ça remontait avant les vacances et que c'est surtout à la cantine apparemment où ça se passe. Et que Maëlia ne va pas venir à l'école le matin. Alors elle est étonnée parce que ce petit garçon apparemment a vécu la même chose que Maëlia l'année dernière et que c'est un garçon qui était très gentil. Alors oui, il est grand et il est impressionnant. J'ai écouté, moi apparemment il se moque d'elle quoi. Je lui ai dit, il se moque d'elle à la cantine, hein, il rigole d'elle, je lui ai dit. Et puis hier, je lui ai dit au sport, quand ils ont couru, je lui ai dit, il n'arrêtait pas de lui dire cours vite, autrement je vais le dire à la maîtresse. Alors je lui ai dit, moi j'ai Maëlia, c'est quelqu'un de très sensible, je lui ai dit, et ce garçon lui fait peur, elle en a peur. Voilà, donc elle m'a dit qu'elle allait surveiller, qu'elle allait faire remonter l'information. Et j'ai demandé donc que quand elle mange à la cantine, que Maëlia ne soit pas à côté de ce garçon. Parce que ce garçon, apparemment, il la met à chaque fois à côté ou en face d'elle. C'est pas la peine que Maëlia s'en crée un mal au ventre. Donc elle m'a dit que je ne savais pas que je m'inquiète, qu'elle allait prendre en charge la situation, le surveiller. Voilà. C'est fait parce qu'autrement, si je ne fais pas ça, Maëlia va se créer les mêmes choses qui s'est passé l'année dernière. Et moi, c'est hors de question. Chaque année, il y a toujours un problème. Ouais, toujours un gamin. Voilà, c'est, de toute façon, les gamins entre eux, quand ils sont petits comme ça, ils sont méchants. Ils sont méchants. Et moi, j'ai des enfants qui ne se défendent pas. Voilà, la grande de maintenant, ça y est, elle a compris. Mais moi, Maëlia, elle est suivie quoi, par rapport à ça. Et les enfants sont tellement méchants que voilà, elle ne sait pas se défendre. Quoi. Elle n'est pas comme sa mère, quoi. Parce que sa mère, voilà, je lui dis, mais réponds-lui. Si tu lui réponds une fois méchamment, il arrêtera. Il dira, Maëlia, oula, elle répond, elle ne se laisse pas faire. Oui, mais il n'embête que moi, parce que je lui dis peut-être que toi, tu dis rien. Et que voilà, c'est facile, donc il t'embête à toi tout le temps. Donc, elle était très étonnée, la maîtresse, ce matin, parce qu'apparemment, ce garçon a vécu la même chose qu'a vécu Maëlia. Donc, elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, je vais surveiller, mais je vous avoue que je suis très étonnée. Je lui ai dit, écoutez, il se moque d'elle, je lui ai dit, et c'est surtout à la cantine. J'ai dit, hier au sport, il n'arrêtait pas de lui dire, cours, cours vite, autrement, je le dis à la maîtresse.
Voilà, donc écoutez, elle m'a dit oui. Elle m'a dit, écoutez, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Je vais faire remonter l'information. Et je dis, moi, je ne veux pas que ce garçon mange à côté de Maëlia. Je dis, parce que moi, Maëlia refuse de l'aller à l'école. Voilà, donc écoutez, on verra bien. Je ne vais pas vous reprendre. En même temps, j'ai une petite lingette parce qu'hier, ils ont couru sous la pluie. Il pleuvait comme vache qui pisse. Et ils les ont mis sous la pluie hier, surtout que hier je ne l'avais pas habillée chaudement. Elle est rentrée, Maëlia avait plein de terre et j'avais pas fait attention, sa veste ce matin était pourrie. Elle a dû la prendre, elle a dû la jeter. Donc j'ai pris une lingette pour nettoyer la veste ce matin, puisque en partant j'ai vu que sa veste était sale. Bon allez, si j'éteins pas le moteur, ça va pas le faire. Allez go, parce que moi je travaille. Bon, je vous montre l'énorme colis du swap. Alors, je sais pas comment faire pour pas que vous voyez les adresses. Hein. Voilà, hop, hop, hop. L'énorme colis qui va partir. Voilà. L'énorme colis qui va partir pour le swap. Et j'ai fait ma table de Noël. Alors, en soi, rien de bien, hein, qu'on soit clair. Et aujourd'hui, il fait pas beau parce qu'il fait noir, voilà. Et je viens de finir le boulot. Donc, je vais envoyer l'énorme colis et je m'en vais récupérer quelques bricoles à Leclerc. Et il fait un temps de merde. Mais quand je vous dis un temps de merde, c'est un temps de merde. Voilà, le temps qu'on a. Ce mardi 15 novembre. On est mercredi et il est 7h30. Je vais faire mes petits soins et je vais vous montrer donc les produits que j'ai reçus de chez Shein. Sachant que j'ai repassé commande sur Shein pour Maëlia. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais Maëlia voulait des habits sur Shein. Donc j'avais déjà acheté quelques petits leggings et je trouvais que ça taillait pas très très bien. Donc on va voir, j'ai repassé une commande, je vous dirai quoi, pour les enfants de 6 ans et demi, ce que ça vaut. Donc là je vais mettre mes petits soins comme d'habitude, donc je vais mettre mes soins de chez Rose Gold, voilà. Alors je vais regarder par rapport au truc, donc ça c'est pour les lèvres. Alors ça picote un petit peu, mais légèrement, voilà. Alors je le mets au-dessus des lèvres, voilà. Les trucs pour les cils, c'est le soir. Donc je ne l'ai pas mis hier soir, j'ai oublié. Voilà, et donc il me reste le roulon et le truc pour les cils, je ne mettrai pas. Voilà, donc là, je vais mettre le reste de ça. Allez, je vais mettre mon sérum. Quoi vous raconter hier... Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Pour ce qui est de Maëlia, ça a été réglé. Voilà, donc la maîtresse hier est venue me voir parce qu'ils étaient en train de courir de nouveau sous la pluie. Alors que Maëlia ne participe pas au cross. Voilà, puisque elle, il faut l'amener à 14h, je ne sais pas où, et je travaille, je ne peux pas. Donc elle ne va pas au cross, elle restera à la maison. Et pour ce qui est du petit garçon qui l'embête, ça a été réglé, voilà. Donc c'est un petit garçon apparemment qui a eu des soucis comme Maëlia l'année dernière, on se moquait de lui. Donc la maîtresse était très stupéfaite que ça soit ce petit garçon, parce qu'elle m'a dit l'année dernière il a vécu la même chose que Maëlia. Donc bon, elle n'avait pas, ils sont séparés au niveau de la cantine, parce que je lui dis qu'à chaque fois, Maëlia me disait qu'il était avec elle à la cantine, très proche d'elle, donc du coup, ils l'ont écarté, et donc du coup, la maîtresse, oh merde, attendez, j'ai oublié mon roulon, la maîtresse, elle a parlé avec le petit garçon, Maëlia dehors, et écoutez, on verra bien si ça se calme ou pas, et en tout cas, la maîtresse m'a dit qu'elle allait laisser un mot, donc aux parents. Voilà, donc c'est fait. Bon, ça fait un petit moment, hein, je crois que ça fait un petit moment que je vous le dis, que ce petit garçon l'embête et que j'allais attendre un petit peu. Donc ça, c'est réglé. Voilà, petite crème. Ça picote un petit peu. Alors après, hop, je fais ça. Voilà, on verra bien. Là, par la suite, pour le petit garçon, voilà, là,
Elle est en train de dormir, je la réveille vers 45. Voilà, parce que nous, on est juste à côté de l'école, quoi. En voiture, j'en ai pour 3 minutes, quoi. À pied, bon, c'est un peu plus long, mais en voiture, en 3 minutes, j'y suis, quoi. Bon, j'espère que j'ai bien étalé ma crème, parce que j'ai vu, dans certains vlogs, des fois, il me reste un peu de crème, là. Voilà. Donc, cet après-midi, donc, je vais faire la vidéo. Alors, après le boulot, parce que je travaille, je ferai la vidéo à 5 heures. Donc, je me suis un petit peu frisé les cheveux pour la vidéo. Donc, ce que j'ai acheté sur Shiglam, donc, il y a la nouvelle collection de Shiglam qui est sortie, donc, spécial Noël. Et elle s'appelle la Enchanted Deco Dance. Voilà. Donc, c'est Deco Dance Enchanté, j'ai vu... aussi, donc voilà. Donc moi je m'attendais pas à un packaging comme ça. Donc c'est un packaging un peu comme la palette Tim Burton. Voilà. Avec des dentelles dessus. Et la couleur story. Alors elle est très basique. Je sais le make-up que je vais faire déjà. Hop. Et la couleur story, elle est comme ça. Voilà. Alors on a du nude, on a un bleu, un vert, un doré, une espèce de bordeaux rouge. Elle est jolie, hein. Elle est jolie. Voilà, ces couleurs-là, bien évidemment, j'en ai. Hein. Voilà, j'ai craqué sur le packaging que je trouvais plutôt sympathique. Et voilà, vous faire une petite vidéo. Donc ça, j'ai pris la palette. Alors, il y a le coffret, il y a la palette. Avec dans le coffret, il y a les deux petits. Alors moi, j'appelle ça des pimpotes, mais ça s'appelle comment ? Ce sont des gels pailletés, donc le packaging, pareil, on est sur le même packaging. Alors vous avez à l'intérieur du coffret la palette, deux petits gels pailletés et je crois qu'il y a quatre rouges à lèvres, donc trois effets mat. Non, il y en a cinq et deux effets gloss, je crois. Bon, le petit packaging est comme ceci, voilà. C'est scellé. Alors ce qui est bien, c'est que c'est scellé chez une CL. Et donc les paillettes, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, c'est les paillettes argentées. Ah, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà. Voilà. Donc ça, je crois que ça coûtait 3 euros et des bananes. Hein. Je vous mettrai. De toute façon, vous le reverrez dans le hall. Méga hall beauté. Comme ça, après, je vous mettrai les liens. Parce que ça, je pense que ça sortira fin novembre, début décembre. Donc, je me suis acheté ceci. Ça, c'est une nouveauté. Voilà, donc ils ont sorti plein de petits coffrets comme ça, selon l'incarnation de couleur de peau. Mais après, j'ai envie de vous dire, voilà, chacun met ce qu'il veut et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc le coffret se présente comme ceci. Et à l'intérieur, on a les deux. Alors, vous savez que je suis fan, hein, voilà. Donc d'ailleurs, ma fille m'en a offert un autre. Voilà, donc là, c'est la lighter. Donc là, j'ai un autre blush. Et un autre highlighter, voilà. Donc à l'intérieur de ce coffret, vous avez un blush, un highlighter. Et à chaque fois, le blush, selon l'incarnation de peau, vous avez un blush, un highlighter de couleurs différentes. Voilà, le packaging se présente comme ceci. Donc ça, on va le tester cet après-midi. Et pour faire le look un petit peu Noël, j'ai pris les fossiles. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Alors, il y a des paillettes. Le problème, c'est que les paillettes, elles ont... elles sont partout dans le packaging. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc, je pense que sur les yeux, ça doit se tirer un coup de vent. Il n'y a plus de petites paillettes. Je pense que c'est juste des paillettes qui se poudrent dessus. C'est même pas collé, quoi. Je pense. Hein. Voilà. Écoutez, on verra bien. Voilà. Pour mon haul Shein, de toute façon, que vous verrez dans le Big Haul Beauté, qui sortira, que j'ai commencé à tourner parce que ça sera sur plusieurs étapes. Hein. Vous verrez, hein. Première vidéo, je suis maquillée, après je suis pas maquillée et je pense que le troisième round, je le ferai cet après-midi une fois que je serai maquillée pour vous montrer le reste du Big Haul Beauté. Et puis voilà, ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, je vais réveiller Maëlia et puis voilà, moi je travaille un peu plus tôt ce matin et je finis à 5h mais je commence un peu plus tôt ce matin et vendredi, pareil, c'est 8h. Donc voilà, donc je vais réveiller Maëlia, il est 43. Boire un petit chocolat chaud parce que je ne peux pas boire de café. Et j'ai pas envie de retenter. En fait, j'ai trop envie de. J'ai pas envie d'avoir mal au ventre ni que l'acidité remonte dans l'œsophage. Donc du coup, je me suis acheté du chocolat chaud. Voilà. Donc je vais boire ça avec une petite tartine au beurre. Et puis voilà. Journée aujourd'hui où il fait un temps très très très
Brouillard, là ce matin il y a un brouillard laissé tomber et il pleut ce matin, mais cet après-midi il y a du soleil. Voilà. Allez, à plus tard. Il est 18h20 et j'ai fini de faire ma vidéo spéciale crash test. Oui, de la palette, la dernière qui est sortie de chez Shiglam. Voilà. Alors vous verrez, la vidéo a été fort dépourvue parce que j'ai pas énormément de temps et c'est la première fois que je filme une vidéo en finissant le boulot. Je sais qu'après le mari va arriver et que il fait sa vie. C'est normal, hein, il va pas arrêter de vivre parce que je tourne une vidéo. Il rentre, il prend sa douche, il boit son café, il parle aux filles. Donc c'est vrai que moi, quand je tourne des vidéos, j'aime bien être toute seule. J'aime pas trop qu'il y ait de bruit. Je veux pas trop que vous entendiez un petit peu ce qui se passe autour, même si j'ai un micro et voilà. Normalement, on n'entend pas trop. Mais voilà, c'est la première fois que je tourne de 5 heures en finissant le boulot. J'ai tourné très vite. Je pense que je vais avoir pas mal de coupes à faire parce que je voulais aller tellement vite que j'en ai perdu même mes mots. J'ai même oublié de crash tester un produit. Bon, j'ai fini, j'ai plus qu'à faire en fait la photo de miniature, crash tester, du moins crash tester, swatcher la palette pour que vous puissiez la voir dans la vidéo. On va y arriver, je vous dis, je suis perturbée. J'aime bien tourner mes vidéos seule en fait. Malheureusement, je suis obligée de changer mes habitudes et au mois de décembre, je vais retourner à un planning où je vais travailler jusqu'à 8h30. Donc je vais avoir un peu plus de temps, un peu plus de journée. Mais ouais, s'il faut que je m'adapte certaines fois selon mon planning, j'ai pas le choix. Donc il me manque juste à faire les photos de miniature, faire la photo de miniature, les photos que j'édite et que je fais tout le temps lorsque la vidéo sort sur YouTube. Je vous mets toujours les photos, j'espère, parce que là il va faire nuit et je ne sais pas du tout ce que je vais avoir comme luminosité. Donc je vais essayer de faire avec l'appareil là, je vais essayer de faire des zooms, je vais essayer de m'arranger comme je peux. C'est pas une bonne idée finalement, je ne sais pas si je vais avoir de jolies photos pour mettre sur Instagram. Et du coup, j'ai fini. Voilà. Donc du coup, je vous laisse et on se retrouve manana. On est jeudi 18, je crois. Et il est exactement 7h50. Je viens de réveiller Maëlia. Maëlia râle ce matin. Voilà. C'est compliqué cette semaine parce qu'elle mange tous les jours à la cantine. À part hier. Mais c'est compliqué. Voilà. Cette semaine, j'ai le petit toute la semaine. La semaine prochaine, je travaille lundi et mardi. Et puis après, donc mes congés ont été validés, c'est bon, apparemment, si j'ai bien compris. Et j'attends mon planning du mois de décembre parce que elle reprend les journées, parce que ça fait 2 mois qu'elle fait les nuits, parce qu'elle travaille à l'hôpital en tant qu'infirmière au service des urgences. Et du coup, là, elle reprend les jours. Donc, qui dit jour dit journée très chargée. De 7h ou 9h jusqu'à 20h, 20h30, 21h. Donc, ça va être des journées beaucoup plus longues. Par contre, quand c'est comme ça, j'ai beaucoup moins de jours de travail dans la semaine. Voilà. Donc, du coup, j'attends mon planning parce que je dois appeler pour faire la mammographie. J'arrive pas à voir l'ophtalmo. Il nous a décalé le rendez-vous au 23 décembre à 2h. Mais le mari a un doute sur l'heure. Voilà, donc je n'arrive pas à voir l'ophtalmo au téléphone. C'est compliqué de la voir, du moins la secrétaire. Donc si je ne l'ai pas aujourd'hui, au moins aujourd'hui il ne faut pas appeler, c'est vendredi qu'il faut appeler. Si je ne l'ai pas vendredi, ben mercredi, il va falloir que je passe. Faut que je fasse un tour directement à l'hôpital, puisque c'est à l'hôpital. Voilà, il faut que j'aille directement à l'hôpital. Pour le rendez-vous et leur dire que ça serait bien qu'ils répondent au téléphone, quoi.
Parce que me déplacer pour voir si le rendez-vous c'est bien ça et que c'est bien confirmé, ça fait un petit peu. Vous aurez compris. Voilà. Donc écoutez. Donc aujourd'hui, ben, je travaille. Hier, j'ai tourné la vidéo de la palette collection de Noël de chez Shein. C'est Déco Dance Enchanted. Voilà, dégoûtée parce que j'ai voulu filmer la vidéo en fin de soirée et que pour faire les photos, je fais toujours les photos à la lumière du jour. Et ben, j'ai fait les photos avec la lumière des spots. Et comme j'ai qu'une petite ring light ici et qu'après j'ai deux lumières sur le côté comme ça, ben, je trouve que ça fait pas joli. Voilà. Voilà. Donc écoutez, hein, c'est comme ça. En plus, j'ai fait la vidéo hier très pressément. J'ai pas mon miroir, donc je verrai bien ce que ça vaut. Mais je pense que c'est terminé les maquillage make-up en hiver le soir parce que ben, quand j'ai fini, il était 6h15, il faisait nuit quoi. C'était mort quoi. Ce matin, il faut que je fasse les swatchs de ce petit produit là qui est juste magnifique. Je vais vous le montrer. Il est juste magnifique. Donc c'est du gel paillettes. Hein. Voilà. Il est juste magnifique parce que c'est des grosses paillettes quoi. Alors vous verrez que je ne les ai pas mises sur les yeux et qu'on peut les mettre autre part et que ça fait joli. Voilà. Pour un effet un petit peu festif, je trouve que ça fait joli. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais avoir le temps de me maquiller. Je sais qu'aujourd'hui, je reçois le colis de chez Nox. Il faut savoir qu'il va y avoir super code promo pour le Black Friday du 21 au 31, je crois. 30-31 novembre, vous allez avoir moins 25% et dès 30 euros d'achat, vous aurez un collier offert. Voilà. Alors, je pense que je vais vous en parler là parce que je reçois le colis aujourd'hui et ça clôturera, je pense, le vlog. Demain, je travaille. Je pense que je clôturerai avec le colis de chez Nox. Voilà. Le vlog parce que demain je travaille et j'ai pas grand chose à vous dire. Ou alors si demain je vous prends, c'est parce que je me serai maquillée avec ces deux produits dans les tons bruns, mais je pense plus la semaine prochaine. À voir. Allez, on va motiver Maëlia parce qu'autrement elle va arriver en retard à l'école. Voilà. La petite crème Garnier, qu'en ce moment on voit beaucoup circuler dans les publicités. J'ai vu là, quand je regarde la petite maison de la prairie, pendant mes pauses. Lorsque le petit dort, et ben on les voit circuler dans les publicités. La gamme sérum, la crème. Il y a le masque aussi. J'ai vu qu'il y avait un masque en tissu. Et après, il y a un pot de crème. Je crois que c'est pour la nuit, je crois. Elle sent trop bon. Je vous jure, cette crème, elle sent trop bon. D'ailleurs, j'en ai pris un pour. J'en ai pris. Oh putain, j'arrive pas à parler en ce moment. J'en ai pris une pour mettre dans le concours de Noël. Voilà. Allez, go! On est vendredi 18, il me semble. Il est très tôt et je commence très tôt ce matin. Il est exactement 7h moins 10. Voilà, je me prépare et je vais vous parler donc du colis que j'ai reçu de chez Nox et que c'est ce qui clôturera ce vlog de cette semaine. Je suis toujours en pyjama, hein, je m'habille viteuf. Donc, il fait très froid en ce moment et il pleut, il fait un temps de merde. Et j'ai ma voix qui est en train de partir. Donc, on a reçu un énorme colis comme ceci. Voilà, de chez Nox. Je vais essayer de me le caler juste sur le côté, comme ceci.
Nox, je rappelle, ça fait maintenant 2 ans que je suis en collaboration avec eux. Nox Parfums, ce sont des parfums équivaux à ton parfum préféré. Vous avez plus de 500 références. Ils ont sorti des nouvelles références de parfums. Vous avez des parfums femmes, des parfums hommes, des parfums mixtes. Ils ne font pas que du parfum. Ils font également des Mikado, donc c'est-à-dire des senteurs d'ambiance pour les pièces. Donc, c'est des petits contenants. J'en ai pris un, je vais vous montrer, avec des petits bâtonnets. Ils font aussi l'humidificateur d'ambiance avec les huiles essentielles qui sont une tuerie. Ils ont aussi également petits senteurs pour la voiture. Voilà, des petits contenants senteurs pour la voiture. Donc, ça va tenir, ouais. Donc, j'ai reçu un énorme coffret comme ceci pour Noël. Donc, ils ont sorti plusieurs coffrets. Donc, j'essaierai de vous mettre ça. Je vais me décaler comme ça sur le côté ici. Ils ont sorti plein de petits coffrets composés d'une trousse avec un parfum, avec un collier et un rouge à lèvres. Vous avez du plus petit prix. Donc la petite trousse avec le petit parfum de 30 ml, un collier et un rouge à lèvres. Après vous avez un autre coffret, vous avez donc un parfum beaucoup plus grand de 50 ml avec un collier et un rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres et le collier c'est de façon aléatoire. Et vous avez un troisième coffret où vous avez donc un collier, un rouge à lèvres mais en bâton avec un contenant en verre. Et moi j'ai pris le dernier. Donc le coffret suprême. Donc vous le recevez dans une boîte rouge comme ceci, voilà. Et j'ai envoyé un mail à Nox tout simplement parce que il y a un petit quiproquo, on va dire. Alors je pense, j'en ai discuté avec une youtubeuse, je pense que pour eux la trousse c'est le carton. Voilà, parce qu'il manque la trousse à l'intérieur. Mais la youtubeuse avec qui j'ai parlé, elle a pris la trousse, elle a reçu la trousse. Et en fait, peut-être que eux, dans ce coffret-là, la trousse et le carton. Donc, je leur ai envoyé un mail pour voir ce qu'ils me répondent. Moi, j'ai pris le coffret suprême. Donc, à l'intérieur, vous avez donc un Mikado. Donc, c'est ça, le Mikado. Alors, par contre, pour le coup, cette fois-ci, d'habitude, ils mettent toujours énormément de calage avec du papier bulle et tout. Et là, les produits flottaient, en fait, dans le carton. Donc, j'ai pas compris. Est-ce que c'est une erreur venant de leur part? Je ne sais pas. Donc, le Mikado, c'est comme ceci. Voilà, vous le recevez dans un petit contenant rouge comme ceci. Et moi je prends toujours le même, voilà, je vais juste vous montrer. Donc vous avez les petits bâtons comme ceci et vous avez le petit Mikado. Et je crois qu'il y a le petit, voilà, d'habitude ils emballent dans du papier bulle parce que là tout était parti, voilà, et il a coulé un petit peu dans le colis, voilà. Donc du coup j'ai dû refermer hier parce qu'il a coulé en fait, le bouchon il était un peu ouvert. Et donc moi j'ai pris la senteur, toujours le même, hein. C'est le M01, donc je vous laisserai aller sur le site. Je vous mettrai les liens dans le vlog des produits, comme ça vous verrez à quoi correspond l'odeur. Voilà, et je l'adore, il sent trop trop bon. Franchement c'est une dinguerie, donc ça je vais le garder parce que pour moi... Je le rangerai après. C'est mon best-seller. Donc, je vais le garder. Comme ça, dès que j'en ai plus, j'en ai un autre. Vous avez à l'intérieur donc un parfum de 50 ml. Donc, les parfums, si vous me connaissez, je ne vous les présente plus. Donc, de 50 ml. Donc, derrière, vous avez le numéro. Voilà, j'ai pris le 2501. Et c'est une nouveauté. Au niveau parfum, voilà, pareil, je vous mettrai le lien et je vous laisserai regarder à quoi ça correspond et c'est une dinguerie. Voilà, les contenants se composent comme ceci, ils sont en vert. Vous avez les bouchons dorés pour les femmes, bouchons argentés pour les hommes. Vous avez des parfums mixtes, j'ai jamais pris un parfum mixte, je sais pas de quelle couleur sont les petits bouchons. Voilà, 50 ml et je vais me parfumer avec ça ce matin. C'est une dinguerie. C'est un nouveau parfum qui est sorti, dont on voit circuler en ce moment. Et ben, je l'ai vu, donc je l'ai pris. Donc je vous mettrai un lien, comme ça vous verrez à quoi il correspond en barre d'infos. Et dans ce coffret, vous avez donc un collier. Donc j'ai reçu ce collier avec un petit nounours.
Voilà, vous voyez, le petit nounours en cristal, effet cristal. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, on va essayer de le mettre. Et un rouge à lèvres dans ce coffret. Et normalement, il y avait donc une trousse. Mais la trousse, est-ce que la trousse, c'est le carton? Parce que l'autre youtubeuse avec qui j'ai parlé, donc c'est Paula, hein, tout simplement, elle n'a pas eu le contenant rouge. Elle a eu juste la trousse. Juste la trousse, elle a eu. Donc, hop, on va le mettre aujourd'hui. Bon, je pense que c'est juste un bijou fantasy, hein. Parce que Nox n'est pas spécialisé dans les bijoux. Hein. Voilà, c'est juste pour les coffrets de Noël qu'ils ont fait ça. Alors, est-ce que je vais arriver à le mettre? Hop. Et je sais pas si vous allez le voir. Bon, je vais vous le montrer. Je suis en pyjama encore. Voilà, hein, avec le petit nounours. Trop joli, fantasy, trop joli. Je ne sais pas si ça va bien tenir ou pas. Alors, de préférence, il vaut mieux le mettre l'hiver que l'été, pour ma part. Moi qui ai une peau assez... je ne sais pas comment, j'ai plus le mot. Voilà, l'été, si je mets des styles de bijoux comme ça, avec la chaleur, il noircit. Hein. Et ensuite, vous avez un petit rouge à lèvres, comme ceci. Alors, celui-ci, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il va être mis dans le concours de Noël. Alors, petit défaut sur les rouges à lèvres. Hein. Moi, le mien, il a été ouvert. Voilà, il a été ouvert. Et donc, du coup, les rouges à lèvres, ils ne les ont pas baissés assez dans le contenant parce que le bout du rouge à lèvres, il a débordé en fait sur le bout du contenant, je sais pas si vous voyez, ouais. Il n'en pas assez baissé, donc ça je vous le garde parce que moi j'en ai plein de rouge à lèvres et le rouge à lèvres c'est le 06. Voilà, bon pareil, sur la présentation des produits chez Nox, le collier est mis dans un petit contenant rouge, ce qui n'est pas le cas parce qu'on l'a reçu comme ça, je préfère vous le dire hein, parce que pour le coup, ce coffret n'est pas très représentatif de la photo. Voilà. Le bijou a été mis dans un petit truc comme ça. Et le rouge à lèvres, sur la photo, il est totalement noir. Voilà. Alors que, voilà, c'est la marque Figeot 24. Voilà. Alors, la couleur du rouge à lèvres est aléatoire. Et le bijou, c'est pareil. Vous recevez un bijou aléatoire. Voilà. Ce coffret est au prix de... Au lieu de... Il y a une petite réduction sur tous les coffrets. Je vous mettrai le petit prix parce que je ne m'en souviens plus exactement du tarif. Il faut savoir que vous avez un code promotionnel. Oui, du 21 jusqu'au 31 novembre de moins 25% avec mon code. Alors bien sûr, moins 25%, ce n'est pas négligeable pour faire les cadeaux de Noël. Vous savez que voilà, c'est la période du Black Friday. La plupart des gens, je pense, vont faire leurs petits cadeaux de Noël. Donc vous avez moins 25% avec mon code Univers Lydie en majuscule des 30 euros d'achat. Alors je dis bien 30 euros d'achat, même en cumulant mon code de réduction. Parce que si vous prenez pour 30 euros d'achat et que vous mettez mon code réduction et que c'est en dessous de 30 euros, vous n'aurez pas le petit collier en plus offert. Voilà. Donc des 30 euros d'achat, livraison gratuite et vous avez en plus un collier offert. Voilà, donc je trouve que c'est pas négligeable. Voilà, vous savez que je suis donc affiliée au compte Nox, donc toutes les commandes que vous faites, ça me rapporte des petits sous et ça fait super plaisir. Donc pensez au cadeau de Noël, je vous aurais mis en début du déblatage du partenariat, donc les petits produits que vous pouvez retrouver pour Noël, les petites trousses, elles sont plutôt super géniales et je pense que ça peut faire un petit cadeau du petit prix au plus grand prix avec de très très bon parfum. Franchement, je vous le dis, c'est une dinguerie. Là, celui-ci, il sent trop bon. Franchement, je vous mettrai un lien si jamais vous voulez pas le coffret, que vous voulez acheter juste des parfums. C'est possible. Vous avez également les contenants en verre où vous pouvez faire de jolis cadeaux pour vos grand-mères, pour vos mamans. Vous avez des jolis contenants en verre où vous transférez le parfum. C'est super, super joli. Voilà, sur ce vlog est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un prochain vlog, pour un prochain déblatage. Moi, je vais m'habiller parce que je blatère, je déblatère. Je travaille, voilà, donc je me dépêche. Je range tout ça et puis on se retrouve la semaine prochaine.
plein de bisous et je vous dis donc à la semaine prochaine, tous les vlogs dimanche à 19h. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à dimanche prochain.